Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Nos goûts musicaux signent l'appartenance à un groupe. D'une certaine manière, ils scellent une identité, nous positionnent socialement, et ils ne tombent pas du ciel. Nos goûts s'éduquent. On ne naît pas fan de Jul, on le devient. Comme vous tous, j'ai des représentations associées à un genre musical, voilà. Et aussi grotesque soit-elle, elle me renvoie à mes propres stéréotypes. Du métal chevelu au pop lover des plages, je me fabrique une image mentale. J'associe des caractéristiques sociales, identitaires à un genre. Alors, bien entendu, il s'agit là d'un idéal type, pour nous aider à comprendre le phénomène de structuration des goûts musicaux. Pourquoi j'aime Jacob Collier ? Pourquoi les nocturnes de Chopin m'émeuvent autant que les musiques de Michael Jackson ? D'où viennent mes goûts ? Quelles sont leurs parts d'inné, leurs parts d'acquis ? À quel point mon parcours de vie influence-t-il mes goûts musicaux ? Voilà, en somme, qu'est-ce qui détermine nos goûts ? Les goûts se fabriquent. Des agents de socialisation nous donnent des points de référence, des modèles, des repères sur lesquels nous construisons notre, ou plutôt devrais-je dire nos identités musicales. Alors des agents de socialisation, il y en a plein. La famille, nos amis, l'école. Prenons l'école par exemple. En tant qu'institution, l'école est un vecteur de socialisation musicale. Alors peut-être pas tant dans les cours de musique. Oh non ! Ah non, ça, je suis désolé, ça n'existe pas cette note. Non. Prenons l'école dans sa globalité. L'école forge une culture musicale en dehors de la classe de cours. À la récré, par exemple, on est influencé par nos semblables, nos pères. Ma génération se souvient notamment du passage douloureux de la tectonique. Tectonique. Et de la fame éclair d'Eric Greff. Ah si, Eric Greff, il a même fait son comeback en 2020. Bon, l'idée n'est pas de revenir sur toutes les formes de socialisation musicale. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le poids de la classe. Pas cette classe-là, non plus. Voilà, cette classe-là. La classe sociale. La musique se veut être un langage universel. C'est beau, oui. Mais au même titre que toute expression culturelle, elle est traversée par des logiques de classe. Un papa qui joue du violon, un grand frère amateur de rap, une maman fan de Patrick Sébastien. Parce que pourquoi pas ? Nous sommes tous imprégnés, façonnés par notre parcours de vie, par notre classe. Et donc finalement, nous n'avons pas choisi d'aimer ce que nous écoutons ? Alors je force le trait, mais ce que je vais expliquer, c'est que nous sommes disposés, soumis à des tendances en matière de goûts musicaux. On résume donc. La musique s'écoute, se danse, se joue et classe. Qu'on le veuille ou non, nos préférences musicales nous classent socialement. Aussi bien au sein des musiques populaires que savantes, si tant est que cette distinction soit toujours pertinente, préférons la notion de goûts musicaux légitimes pour parler de l'opéra. L'opéra donc. L'opéra fait appel au sens. Pour beaucoup, il est un véritable générateur d'émotions. Il transcende, nous convie à une expérience aussi intime que collective. Il y a quelque chose d'insaisissable, de majestueux qui s'en dégage. Et pour d'autres, ben pas du tout en fait. L'opéra, c'est de la musique, mais pas que. Et oui. C'est aussi une œuvre théâtrale, bâtie sur un livret, l'opéra met en scène des personnages dans des rôles chantés. Merci Wikipédia. Difficile de résumer un art aussi complet et riche en une vidéo. Il y en a qui en parleront bien mieux que moi. Du coup, je vous ai fait un schéma. Vous pensez que je caricature ? Oui, ah oui. Ah oui, ah bah oui. Mais à une certaine époque, c'est ainsi que je m'imaginais l'opéra. Je n'ai pas été touché par la grâce de l'opéra. Plus exactement, on ne m'a pas appris à l'aimer. J'ai apprivoisé l'opéra avec ma grille de lecture, mes clichés. Ce fut un effort conscient, une démarche personnelle, volontaire. Mon expérience de l'opéra est donc différente de celle des initiés. Oui, alors on est à l'opéra, donc t'es pas censé parler lourd. Oh, désolé. Et justement, à l'opéra, il y a des codes. Car s'asseoir sur un fauteuil et assister à une représentation ne suffit pas à décrire l'expérience légitime de l'opéra. Il existe des savoir-être, des normes, un imaginaire autour de l'opéra. Ne pas arriver en retard, ne pas applaudir trop tôt, connaître des éléments de l'œuvre au préalable, bref, vous avez la liste sous les yeux. Et puis même la conscience d'être spectateur, de faire partie d'un tout,
le recul sur sa propre expérience est au cœur du processus spectatoriel, et par extension, du paraître. C'est carrément un témoignage social en fait. Rappelons que des codes existent dans tous les styles. Si vous vous rendez dans une rave party, ou bien dans un salon de jazz, vous vous apercevrez que les normes sont différentes. La manière de se tenir, d'interagir avec les artistes, d'interagir avec l'alcool aussi, quand est-ce qu'on applaudit, si on peut chanter dans le public. Bref, à l'opéra, il y a des codes, c'est juste factuel. Salut Patrick, ça va ? Salut Valentine, moi ça va très bien, merci pour ton invitation. Ben avec plaisir. Est-ce que c'est ta première fois là, derrière nous, au Corégie d'Orange ? C'est ma première fois au Corégie d'Orange, c'est ma première fois au Théâtre Antique d'Orange, et c'est ma deuxième fois à l'opéra de ma vie. Raconte un peu ta première expérience à l'opéra, du coup tu t'en souviens ? Oui, c'était à l'Opéra d'Avignon. Par contre, j'ai oublié le nom de l'opéra et clairement, j'ai senti tout de suite que j'avais pas les codes, j'avais pas les clés pour entrer dans cet opéra. Donc j'espère que ce soir l'expérience sera meilleure. Moi, j'aimerais bien que les gens se disent il y a pas de code, il y a pas de clé, dans le sens où tu as tout à fait le droit de penser ce que tu veux penser. Ce passage entre Patrick et Valentine nous dit beaucoup de choses. D'abord, Patrick fait part de sa non-intégration des codes, des clés pour comprendre l'opéra. Ah, j'avais pas les codes, j'avais pas les clés pour entrer dans cet opéra. On peut supposer qu'il a vécu une forme de violence symbolique. Sa socialisation ne lui a pas permis d'accéder à cette culture. Ensuite, Valentine partage son souhait d'un opéra ouvert, inclusif. J'aimerais bien que les gens se disent « il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé ». Elle essaye de désintimider l'opéra, en précisant que chacun est légitime d'avoir sa propre idée dessus. Elle tient une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation de la musique classique et de l'opéra que je vous encourage à parcourir d'ailleurs. Alors le travail de Valso Classique est super, voire essentiel pour démocratiser l'opéra. Mais nous allons voir dans les faits, l'opéra reste une activité de classe, avec ses codes, ses normes et ses publics. Une activité de classe bourgeoise donc. Pourquoi dites-vous ces vieux cochons bourgeois ? Le titre usulesque de la vidéo cache en réalité une composition sociale plus nuancée. La bourgeoisie veut dire beaucoup de choses et j'avoue que bourgeois sonnait mieux que les classes sociales supérieures acquises à la culture légitime des musiques savantes. Bon, l'opéra est bien loin d'une salle de spectacle lambda. On n'est pas sur la salle polyvalente de quartier, pas du tout. Les opéras les plus prestigieux sont imposants, luxueux et peut-être exclusifs. Voilà, les mots sont dits. Il fait figure d'espace de socialisation. À l'époque, l'opéra est pensé comme un lieu de mise en scène, à la fois pendant et en dehors des représentations. Et comme le souligne très bien Sabine, à l'époque, on ne venait pas seulement à l'opéra pour voir un spectacle, mais aussi pour rencontrer du monde, pour discuter et surtout pour se montrer. L'architecture même de l'opéra rappelle une société de classe. On a d'un côté le poulailler, pour les spectateurs les plus précaires, et de l'autre, les abonnés, réservés aux élites aristocratiques. À propos d'abonnés, le bouton est juste là. Alors, je vous vois venir avec vos commentaires. Oui, mais l'opéra c'est plus comme ça, maintenant il y a des politiques d'ouverture, j'ai un ami prolo qui va à l'opéra. Des gens comme ça, ça existe. Alors évidemment, ce contraste s'est estompé avec le temps. Ce fut notamment le cas lors de la création de l'Opéra Bastille, dont l'objectif fut d'élargir les publics, comme le montre cette étude conduite par Françoise Roussel, directrice des relations avec le public. Elle y observe notamment un accroissement du nombre des primo-spectateurs et d'une plus grande diversification des publics, et note également un rééquilibrage entre les différentes classes d'âge. Des observations a priori positives, me direz-vous, mais quand on y regarde de plus près, l'opéra conserve le poids d'un héritage classiste bien senti. Les résultats restent plus modestes au niveau de la démocratisation. À la fin de 1997, on constatait sans surprise une très forte surreprésentation des catégories socioprofessionnelles supérieures, une surreprésentation des milieux professionnels intellectuels et des diplômés de l'enseignement supérieur, en particulier pour ces derniers, dans les filières littéraires et les sciences humaines. Bon, il y a des cadres sup, des intellos, des profs, des cultureux. On comprend que le terme bourgeois n'est pas le plus précis pour qualifier notre public. C'est juste des putaclics, désolé. Mais vous voyez l'idée, les spectateurs d'opéra portent en grande majorité cette culture légitime. Chaque type de spectacle attire son public, et le lyrique reste, plus que la danse, un genre codifié et un des signes de la culture légitime. Finalement, la question à se poser n'est peut-être pas « pourquoi y a-t-il que des bourgeois à l'opéra ?», mais plutôt « pourquoi l'opéra n'attire-t-il pas des publics diversifiés, issus de franges moins favorisées ?» Et là encore, Françoise nous mâche le travail. Merci Françoise. Des barrières plus symboliques demeurent chez près d'un tiers d'entre eux. La difficulté d'appropriation du lieu se manifeste surtout au Palais Garnier, et la demande est forte pour une sorte d'initiation.
34% considèrent encore que l'opéra reste un spectacle réservé à une certaine classe. Je crois que c'est pas ta place ici. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi Patrick ne se sentait pas à sa place à l'opéra. On peut supposer qu'il n'était pas naturel pour lui de s'approprier une culture qui ne rentre pas dans sa classe. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'autocensure pour qualifier cette réticence vis-à-vis de l'opéra ? Alors personnellement, ça me gêne d'individualiser des comportements qui s'inscrivent dans des rapports complexes, dans des structures établies, comme si ces personnes faisaient le choix délibéré de ne pas pousser les portes de l'opéra. Alors il y a des choses qui sont faites pour démocratiser l'accès aux opéras. Des prix attractifs, des programmations étudiées pour diversifier les publics, des sorties scolaires. Construire dans un monde qui bouge. Eh ben parlons-en justement. Entre le fils de prof qui accompagne papa chaque samedi à l'opéra et le prolo de Vénitieux qui découvre la flûte enchantée entre deux cours, manifestement, aussi louables ces politiques d'ouverture peuvent être, il reste difficile de gommer une réalité sociale encore très stratifiée. Emmener des élèves en sortie scolaire à l'opéra peut être d'une grande violence. C'est leur imposer d'aimer une pratique culturelle qui, pour la plupart d'entre eux, n'est pas la leur, dont ils n'ont pas les codes et qui ne les représente pas. Lorsque le prof impose cette expérience aux élèves, pour beaucoup, c'est déjà vécu comme une violence symbolique de la part de la classe dominante. Petite bourgeoise. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabrice Raffin. Fabrice Raffin est sociologue. Son métier est d'étudier les relations sociales, de comprendre les structures de la société. Il décrit une réalité, un système de valeurs, d'un groupe social en particulier, ici des élèves, et la manière dont il interagit avec un autre groupe, avec la société. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de ternir l'image de l'opéra, ni même de dire que cet art est réservé à une certaine classe, à une certaine élite, et qu'on ne peut rien y faire. Au contraire, l'objectif ici est de participer à sa réappropriation populaire, de penser d'autres formes de médiation. Démocratiser l'opéra auprès de publics non initiés, oui. Initier les bourgeois au genre populaire, encore mieux. Je pense que pour élargir les publics de l'opéra, il est nécessaire de comprendre son héritage classiste, de comprendre le phénomène de structuration des goûts musicaux, et de comprendre qu'il existe un classement des goûts musicaux selon leur degré de légitimité, que ça nous plaise ou non. Et attention, je parle d'opéra en tant qu'activité de classe, pas pour l'opéra en lui-même, pas pour ses considérations artistiques, ni même pour les gens qui font vivre l'opéra. Non, parce que derrière ce lieu emblématique de la culture bourgeoise, certes, eh ben, il y a des travailleurs. On connaît la partie artistique, la plus visible, les ballets, l'orchestre et les chœurs, mais il y a aussi des techniciens, des scénographes, des costumiers, des individus donc qui font vivre l'art lyrique d'abord pour eux, pour les spectateurs, avant de se soucier des problématiques de diversification des publics. Ils ont autre chose à foutre, comme par exemple tenir des cadences de représentation élevées, se contorsionner les articulations pour ne pas se fouler une cheville le jour J, penser l'organisation colossale des spectacles, tenir un dos sur 10 secondes. 10 putains de secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte. It's a new record. A l'inverse des sciences dures, j'ai construit cette vidéo à l'aide des sciences sociales. Les sciences molles, donc lesson flask. Vous pouvez consulter les sources en description si vous souhaitez approfondir la réflexion dessus, ou faire votre propre avis sur la question. Différentes pistes, différents axes de compréhension. Vous pouvez contribuer à cette vidéo à votre manière dans l'espace commentaire. Et moi, ça m'intéresse vraiment de lire ce que vous en pensez et de savoir votre démarche, votre réflexion. Et on se quitte sur des bourgeois pas contents face à de dangereux anarcho-gauchistes syndicalisés. Mesdames et messieurs, depuis le 5 décembre, des millions de personnes ont défilé partout en France pour réclamer le retrait de la réforme des retraites. La culture est aussi attaquée par la politique d'austérité du gouvernement. C'est pourquoi, à contre-cœur, les salariés ont décidé de ne pas assurer la représentation de ce soir. Fabrice Raffin est sociologue. Il fait des sauces. Putain, c'est pas ouf.